Bonjour à tous, direction mon cul pour... Putain, on l'avait pas déjà fait ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Putain, ça m'énerve ça, putain, je joue pas pendant 2 jours, après je sais plus rien, je ne sais plus rien. Je sais plus où je dois aller, je sais plus ce que je dois faire. Y a pas un petit... Non, je parle. On va aller voir le truc de Vulgrim là. On a reforgé l'épée. Ah oui, mais c'est bon, oui. Oui, c'est bon, on avait reforgé l'épée là. Donc là, on doit aller... on doit aller... probablement là. À la dérive du Léviathan. Je pense. Hein. Au pire, si c'est pas là, ben on suivra le petit bordel lumineux sur la map. Alors, voilà, c'était bien par là qu'il fallait aller. Est-ce que je vais pouvoir passer par là? Normalement. Tu es prêt? Il ne faut pas faire attendre Abaddon. Ne faisons pas attendre Abaddon. Comment ça marche? Ça, je m'en rappelle plus. Ah voilà, c'était ma piège. Je confondais en fait. C'est Abaddon. Uriel a lancé les gardiens des enfers contre lui. Comme tu l'as dit, les gardiens vont échouer. Ange de la mort, rends-toi utile une dernière fois. Sentiment, il a choisi le devoir par-dessus tout. Et dans les morts, feras-tu la même chose? Les cieux te traquent. Les enfers te maudissent. L'ensemble de la création n'accorde aucune importance à ta destinée. Rejoins-moi, guerre. Telle de puissante épée, je te brandirai bien haut. Et nos ennemis voleront tous en éclats. Tu pourras alors compter les victoires par milliers. Sinon, sers la justice d'un conseil corrompu. Et un créateur qui a abandonné son plus fidèle serviteur. Je t'offre ce choix, cavalier. Plutôt servir dans les cieux ou régner dans les enfers. Je fais le choix que jadis un lâche n'a pas fait.
C'est le boss de fin. Allez, c'est parti. Waouh. Hop, pardon. Alors, on va se prendre le petit flingue. On va le mettre à la place de ça parce que je crois qu'il me semble ça, on l'utilise pas. Ah ouais, d'accord, en plus j'ai plus de vie quoi. Merde. Il a une patte. Ah, mais il me déchire en fait. Ah, je pense qu'on va mourir quelques fois avant de savoir un petit peu comment la battre. Oh bah, je suis mort. Ouais. Alors, faut que je sache à peu près comment faire. Je vais le viser en fait. Ah putain, ouais, c'est vrai que c'est comme ça pour viser. Ah ouais, maintenant. Non, non, c'est pas... Quoi que remarque, on peut passer la vidéo. Voilà, c'est bien. Ah mais non, mais ça, il faut le sauvegarder, hein, par contre. Ça, ça... Putain, ça, ça casse les couilles. Non, mais c'est mal, ça. Voilà. Alors j'ai réussi à le faire tomber, je sais pas comment. Eh merde. En fait, il tape qu'à partir du moment où sa petite patte elle est rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, c'est à moi. Putain. Oh mais sans déconner. Putain, je sais pas comment j'ai fait la première fois. Ah dommage. Non. Mais... Oh merde. Putain, ça me fait chier, ça me fait chier. Comment ça se fait ça? Il arrive à me toucher alors qu'il est juste à 150 mètres de moi. Ça va pas être rigolo ce boss là. En plus ce con, il va encore mettre le pistolet. Ça fait... Oh oh, est-ce que c'est possible genre de sauvegarder? Sauvegarder quoi. Non 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 non. Mais nique ta mère. Mais pourquoi il fait ça?
faut aller le caler contre un mur en fait. Voilà, on commence un peu à apprendre. Waouh, mais bien sûr. Ah, je suis pas très d'accord avec ce qui vient de se passer. Oh. Non, je l'ai touché là. Peut-être que maintenant il faut le toucher plusieurs fois. Oh. Mais pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh, le truc. Oh. Pourquoi? Il est descendu du cheval quoi. Ah, c'est bon, elle est pour moi celle-là. Eh merde. Là, c'était beau ça, c'était beau, c'est une belle action. Oui. Oh, c'est dommage que, en envoyant le cheval comme ça sur l'ennemi, ça lui fasse pas des dégâts un peu. Bordel de merde! Ok, maintenant va falloir tout réapprendre. Ok, d'accord, très bien. Va falloir tout... D'accord. Ok. Le conseil d'un condamné à mort. Ah,
Et quand je fais comme ça, ça passe. Oh! Ah! Oula, qu'est-ce qui se passe? Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Il va me les envoyer dessus, c'est ça? Ah oui. Aïe! Aïe. Ah merde. Allez, c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et il se passe un truc. Il rigole, il se passe un truc. Ah! Vous m'avez appris quelque chose, Abaddon. Parfois, le devoir doit être mis de côté pour faire ce qui doit être fait. Ce n'est pas par devoir que je vais vous tuer. Uriel. Uriel. Récolte ce que tu as semé, traître. Nec Sacramentum. Le serment à la mort est accompli.
gardienne de malheur, qu'as-tu fait? Tu savais ce qui allait se passer, ce que j'allais faire. C'est pour ça que tu m'as épargné. Non. Alors pourquoi? Parce que je ne pouvais pas laisser l'honneur des cieux disparaître avec leur championne. Nous sommes donc quittes. Le devoir qui est le mien m'amènera peut-être à me battre contre toi. Ce jour-là, je n'hésiterai pas. Tu seras traqué! La Cité Blanche, c'est sûr! Le Conseil, et il y en aura d'autres! Mèneras-tu cette guerre seul? Non. Pas tout seul. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce let's play qui était probablement le dernier de la sorte sur ma chaîne YouTube. En tout cas, écoutez, j'ai adoré ce jeu. J'adore ce jeu, même si des fois il y a des petites phases un petit peu chiantes là avec leurs énigmes et tout. Il faut débloquer des choses pour accéder à nouveau. C'est un petit peu chiant là des fois, mais franchement c'est un bon jeu. Et en fait l'histoire là me donne vraiment envie de faire le 2, donc avec le frère de guerre, ou du moins son pote mort, je crois il s'appelle. Et ça serait bien qu'en fait il y ait une histoire pour chaque cavalier. Donc qu'il y ait 4 Darksiders finalement, ça serait juste génial quoi. Non, sur ce, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Et puis ben, on se retrouve pour de prochaines vidéos, dont le style sera légèrement différent, ce sera pas la même chose. J'ai envie d'essayer de nouvelles façons de faire de vidéos. Toujours, ce sera toujours entre guillemets des let's play. On va dire que ça sera condensé, de manière à ce que ce soit plus intéressant, des vidéos plus courtes. Voilà, donc on verra... comment ça va se passer. De toute façon, lorsque je ferai ma première vidéo de ce style, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quoi. Donc ça, je vais vous arrêter la vidéo et puis on se retrouve bientôt pour sur un prochain jeu quoi. Allez, ciao tout le monde.